Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, il s'agit d'une foire aux questions. Puisque j'ai lancé un petit post Instagram il y a quelques jours pour vous proposer de me poser toutes vos questions par rapport à la grossesse pour que je puisse y répondre dans cette vidéo. Donc je vais essayer de répondre au maximum de questions, let's go, on commence. Alors la première question est une question de A&A mes amours qui me dit « Ma question, le choix du prénom de votre petite puce s'est-il fait facilement ?» Donc ça c'est une question qui a été plusieurs fois posée. Donc, le choix du prénom a été facile, oui et non, puisque en fait... quand on s'est rencontrés il y a 10 ans pour la première fois, à 17 ans et 20 ans pour Laurent, un soir sur la plage on discutait tout ça et en rigolant on disait les prénoms qu'on aimerait bien donner à nos enfants si on avait une fille, si on avait un garçon, et en fait si on avait une fille on avait le même prénom, donc du coup ben, c'est vrai que c'est un prénom qu'on aime toujours autant et on a décidé de le garder. Donc après ça n'a pas été facile dans le sens où on a quand même aussi réfléchi à plein d'autres prénoms, on se demandait souvent et ça t'aimes bien et non j'aime pas et toi est-ce que t'aimes bien ça et non j'aime pas, et au final on n'a jamais vraiment eu un coup de cœur commun pour un autre prénom que celui qu'on avait depuis des années, donc du coup on est resté sur celui-ci. Normalement ça ne devrait pas changer, ça devrait bien être son prénom final, mais voilà, je le garde secret. Aucune personne dans notre famille, dans notre entourage n'est au courant du prénom, on a vraiment voulu garder ce petit secret pour nous deux jusqu'à la naissance et c'est plutôt sympa je trouve. Alors ensuite, question de Cassandra BR qui est revenue énormément de fois dans la FAQ. C'est « Salut ma belle, j'aimerais te demander si tu as eu des complications pendant ta grossesse, vomissements, courbatures, etc. » Et la question aussi juste en dessous, c'est « As-tu eu des nausées au premier trimestre ?» Donc là, normalement, pour celles qui ont suivi un petit peu, qui ont lu mon article de blog quand j'ai annoncé ma grossesse, j'avais parlé de mon premier trimestre. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de chance puisque j'ai eu absolument aucun symptôme pendant toute ma grossesse en fait, même pas que le premier trimestre. Du premier jour où j'ai été enceinte jusqu'à maintenant, j'ai très très peu de symptômes. J'ai jamais eu de nausées, jamais eu de vomissements. J'ai eu quelques maux de tête pendant une semaine. J'ai quelques maux de dos là depuis quelques semaines. Mais bon, non plus mon ventre s'accentue, plus mon dos porte ce poids. Mais sinon, vraiment, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. J'ai eu aucune nausée, aucun vomissement. J'ai eu un petit peu la fatigue par contre le premier trimestre. Mais ça a été quand même assez rapide, enfin c'est passé vite. Et pareil au troisième trimestre, où j'ai eu une petite semaine où j'étais plus fatiguée que le reste, mais je peux vraiment pas dire que j'ai eu une grossesse compliquée, que j'ai eu des symptômes et tout, parce que j'ai vraiment eu une grossesse de rêve jusqu'à maintenant et je touche du bois pour que ça continue. Ensuite, question de Chacha5913. Donc as-tu des nausées au premier trimestre? Non. Et tu as annoncé la bonne nouvelle à ta famille à combien de semaines aménorrhée? Alors, faut savoir que j'ai annoncé ma grossesse à ma mère le jour même où j'ai fait mon test. Avant même de le dire à Laurent, j'ai appelé ma mère en disant « Maman, je suis enceinte !» Et je sais pas, ça a été un bouleversement quand j'ai fait le test de grossesse. Donc du coup, j'ai tout de suite appelé ma mère en premier lieu, en fait à 9h du mat quand j'ai vu le test positif. J'ai appelé ma mère en premier avant même d'en parler à Laurent. Donc bon, ma mère, je lui ai annoncé direct dès que j'ai fait le test. Et ensuite la famille, on a attendu, Laurent l'a dit aussi très rapidement à ses parents. Je l'ai dit à peu près à 2 mois à la famille vraiment très proche, pour Noël en fait. Et donc j'étais à peine à 2 mois et ma mère je lui ai dit le jour même. Alors ensuite on a une question de Clarisse Robert 2905. Quelle est ta plus grande peur pour l'accouchement? Alors ça c'est une question qui est beaucoup revenue aussi, mes peurs pour l'accouchement, tout ça, si j'angoisse et tout. Ça va peut-être paraître prétentieux ou je sais pas, mais c'est vrai que ça me fait absolument pas peur. Après c'est vrai que j'y pense pas spécialement, enfin je vis au jour le jour, j'avance dans les semaines sans penser spécialement à l'accouchement. Mais vraiment j'ai pas du tout peur, je suis pas du tout stressée ni angoissée par rapport à ça. Après il faut savoir que de nature je suis quelqu'un qui est très, très zen, très posé, très peace and love. Je stresse jamais, j'angoisse rarement, donc voilà je suis très... Enfin, je sais pas, je suis pas de nature stressée ou angoissée, donc c'est vrai que là, ça me fait pas peur. Je me dis qu'il y a des milliards de femmes avant de moi qui l'ont fait, donc je vois pas pourquoi ça se passerait mal pour moi. Et puis de toute façon, je suis obligée d'y passer, donc de toute façon, ça sert à rien d'avoir peur. Si au contraire, plus j'y vais zen et plus j'y vais détendue, et je pense que mieux ça se passera. Alors ensuite, question de Roxane Volt qui me dit « Est-ce que nous pourrons voir de temps en temps sa petite bouille ?» Alors ça, c'est une question que je me pose... Je me pose quasiment quotidiennement en ce moment, vu qu'on arrive vers la fin.
C'est vrai qu'on en a discuté déjà avec, avec Laurent, parce que bon, c'est quand même le papa, donc voilà. Mais lui, il s'en fiche complètement, en fait. Il m'a dit, franchement, tu fais ce que tu veux, ça le dérange pas plus que ça. Mais moi, je sais pas trop. Je pense que je l'exposerai pas trop. Après, je dis ça maintenant, mais peut-être qu'une fois qu'elle sera là, que je vais tellement la dévorer des yeux, la dévorer d'amour, que je pourrais pas m'empêcher de la montrer, comme je fais avec Malilou, par exemple, sur Snapchat. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je sais que je préférerais en tout cas essayer de la préserver un petit peu des réseaux sociaux et de partager de temps en temps des petites photos comme ça. Mais c'est sûr que je pense, en tout cas c'est quasiment sûr, que je la snapperai pas tous les jours, je posterai pas des photos tous les jours, etc. Ce sera peut-être une petite photo comme ça de temps en temps, ce qui fait d'ailleurs que ce sera encore plus apprécié, je pense, que si vous la voyez tous les jours, il y aura même plus de surprises. Mais après, j'ai pas non plus envie de la surexposer, de poster des photos tout le temps, de raconter toute ma vie avec mon bébé en Snapchat, etc. Donc voilà, je pars dans l'optique que je la montrerai de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais après, peut-être que je serai amenée à changer d'avis une fois qu'elle sera là et que ce sera plus fort que moi de vous poster des photos. Je ne sais pas du tout, ce sera la surprise, mais je pense quand même que ce sera que de temps en temps. Ensuite, il y a une autre question qu'on m'a posée énormément de fois qui m'a un petit peu surprise d'ailleurs, je comprenais pas forcément pourquoi. Donc c'est une question de tous ici, je sais pas si je prononce très bien. C'est: comptez-vous déménager étant donné que vous êtes en appartement? Donc cette question est revenue beaucoup de fois. Et la réponse est non, on compte pas déménager parce qu'on a deux chambres dans cet appartement. On a un appartement assez spacieux pour accueillir la petite poulette. Donc pour l'instant, non, on compte pas déménager, on est très bien ici et avec deux chambres c'est suffisant pour le moment. Ensuite, question de Little Vanessa qui me dit: comment as-tu combiné le sport et la grossesse? À quel moment as-tu dû stopper et quand pourras-tu reprendre? Alors, comment j'ai combiné sport et grossesse? Bah, comme je vous l'ai dit, toujours pareil, comme j'ai pas eu de symptômes, j'ai pu continuer ma vie complètement normalement. Donc du moment où je l'ai appris jusqu'à il y a un mois, donc jusqu'à environ 7 mois, j'ai pu continuer le sport sans problème parce que j'avais pas de contre-avis par rapport à mon gynécologue, ma sage-femme, tout ça, il n'y avait aucun souci, donc je continue le sport. Évidemment, j'ai adapté, donc j'ai arrêté le running, j'ai arrêté de soulever des charges, etc. Je faisais plus du cardio, un petit peu de vélo, d'elliptique, de tapis, tout ça en marche rapide. Et après des petits exos de muscu au poids du corps, mais ouais, sinon j'ai pu continuer le sport quand même. Et j'ai dû stopper il y a un mois parce que bah en fait à mon rendez-vous chez le gynéco, il s'était aperçu que mon col s'était un petit peu raccourci. Donc du coup j'ai dû arrêter le sport et me reposer au maximum ce mois-ci. Donc voilà, j'ai pas fait énormément de choses, je suis restée beaucoup à la maison, j'ai beaucoup travaillé sur mon ordinateur depuis mon lit ou depuis mon canapé. Et du coup, bah là, j'ai eu rendez-vous et au final, mon col s'est un petit peu rallongé. Il m'a dit de continuer comme ça. Tout se passe bien, il n'y a pas de menace d'accouchement prématuré ou quoi que ce soit. Bah, je pourrais reprendre à partir de la 37e semaine, à partir du moment où le bébé n'est plus considéré comme prématuré si jamais j'accouche. Je pense que je reprendrai vraiment très légèrement, peut-être des étirements, un petit peu de marche, tout ça. Et aussi un petit peu de natation dans la piscine chez la maman, mais je vais pas reprendre vraiment intensément parce que déjà là, un mois d'arrêt, plus la chaleur, plus tout ça, je reprendrai un petit peu, mais sinon je reprendrai sûrement en novembre une fois que j'aurai accouché et fait ma rééducation du périnée. Alors, question de Belle Attitude 13, qu'as-tu préféré et détesté pendant ta grossesse? Alors, ça c'est une question qu'on m'a pas mal posée aussi, que je trouve sympa. Ce que j'ai détester, c'est un grand mot, mais si dans les symptômes, voilà, c'est le truc le plus chiant et c'est un des symptômes que j'ai eu par moment, en fait ça dépend un petit peu de ce que je mange, c'est les remontées acides, mais c'est horrible, on a l'impression qu'on a un dragon, qu'on va cracher du feu, genre il y a des fois j'en pouvais plus, je me disais putain mais qu'est-ce que j'ai fait quoi, c'est, j'en pouvais plus, mais c'est quand même pas très fréquent, là ça m'arrive pas, c'était surtout quand je mangeais du chocolat en fait, donc du coup bah ça a dû apaiser ma gourmandise et j'ai dû réduire les envies de chocolat parce que dès que je mangeais du chocolat c'était un truc de fou, j'avais des remontées acides de malade. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout aimé. Et par contre ce que j'ai préféré, évidemment je pense que ça doit être la même chose pour tout le monde, c'est de sentir son bébé bouger dans son ventre, c'est quand même des moments magiques, le toucher, le partager avec le papa, sentir pareil les échographies quand on entend le cœur qui bat, tout ça c'est quand même top, mais vraiment ce que je préfère c'est de la sentir bouger et de savoir que bah, elle est dans moi, quoi, elle grandit à l'intérieur de moi, c'est quand même un truc vraiment fou et c'est vraiment ce que je préfère. Question de Pauline Chande, on m'a posé aussi plusieurs fois, c'est: comment vas-tu t'organiser après l'arrivée de ta pépette pour ce qui est de ton travail? Bah là je peux pas trop vous le dire avant de l'avoir vécu.
Ça dépendra un petit peu si j'ai un bébé qui est dormeur, si j'ai un bébé qui pleure, enfin qui dort pas beaucoup, qui pleure, un bébé qui est sage. Enfin, on peut pas trop savoir à l'avance sur quoi on va tomber. C'est un petit peu la loterie, donc en fonction de comment elle sera, je pourrai adapter mon travail, sachant que voilà, je peux travailler vraiment quand je veux, n'importe où, n'importe quand. C'est vraiment bien parce que si elle dort la journée, je pourrai travailler la journée. Si elle dort pas le soir, que le papa est là qui s'occupe d'elle, je pourrais travailler le soir. Si je me fais des insomnies pendant une heure la nuit, je pourrais travailler un peu aussi la nuit. Enfin, franchement, c'est un peu l'avantage de ce métier, c'est qu'on peut faire quand on veut, quand on a le temps. Donc on verra comment ça se déroule et quel type de bébé j'ai. Mais je vais pas m'arrêter de travailler après la naissance, en tout cas, je pense pas en tout cas. Mais peut-être que je vais réduire un petit peu le rythme, parce que là, c'est vrai que j'ai beaucoup de temps pour moi, tout ça. Après, j'aurais peut-être plus envie de me consacrer à ma fille, j'aurais peut-être aussi moins le temps, moins l'envie, mais je compte pas complètement tout arrêter, donc voilà, je travaillerai en fonction de son rythme, du mien, et puis voilà, on verra comment ça se passe. Ensuite, question de Nefoun. Moi, ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est comment tu l'as annoncé à ton entourage, surprise ou plutôt simplement. Mais comme je vous l'ai dit, comme en fait à la base c'était déjà une surprise pour nous, qu'on s'est vraiment demandé du coup comment ça allait se faire, ce chamboulement dans notre vie, tout ça. On n'a pas réussi à trop garder le secret par rapport à nos proches, vraiment juste nos parents, notre famille très très proche. Donc les parents, les frères et sœurs, on leur a dit assez rapidement et on l'a dit ça comme ça quoi. Je crois que Laurent il l'a dit à ses parents par texto, moi ma mère par téléphone, mon père comme il n'est pas sur place aussi je l'ai dit par téléphone le soir de Noël. Et après je l'ai dit à mon grand-père à Noël aussi le soir de Noël, on était en face à face, il a pleuré et tout, c'était trop mignon. Mais sinon non, on n'a rien fait de... on n'a pas trouvé the idée, puis on n'a même pas cherché en fait. Il fallait qu'on le dise, on avait besoin de le dire à nos proches en fait, parce que nous-mêmes on a encore des bébés dans notre tête, et du coup se dire qu'on va être parents, on s'est dit waouh, ça fait un choc. Et du coup on a très vite eu le besoin d'en parler à nos parents. Alors ensuite j'ai une question de l'univers de Mademoiselle qui me dit: comment as-tu vécu ta grossesse dans l'ensemble, et surtout comment l'a vécu Laurent aussi, faut pas oublier le papa. Donc c'est vrai qu'il faut pas oublier le papa. Donc moi dans l'ensemble je vous dis, j'ai très bien vécu ma grossesse. C'est vrai que là c'est le dernier mois, je suis impatiente en fait de la rencontrer, parce que j'arrête pas de l'imaginer, j'ai trop envie de la prendre dans mes bras, tout ça, mais je suis pas en mode genre vite faut qu'elle sorte, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. J'ai énormément de chance là-dessus, j'ai pas pris beaucoup de poids, j'ai pas eu trop de symptômes, je le vis plutôt bien, donc voilà, pour l'instant je suis pas pressée qu'elle sorte. Et Laurent, comment il a vécu la grossesse? Lui très zen, hein, lui aussi il est plutôt du genre détendu. Il l'a vécu bizarrement parce que, enfin moi j'ai l'impression qu'il l'a vécu d'une façon très détachée, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait il se rend pas compte qu'il va être papa, et encore plus là ça approche vraiment à grands pas, et on dirait, on n'a pas trop l'impression qu'il a capté qu'il va être papa vraiment, qu'il va avoir une fille là et que sa vie va changer quoi, qu'il va avoir d'autres responsabilités. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il a pas trop pris conscience de ça, et je pense qu'il le prendra conscience que quand il l'aura dans les bras. J'ai une question de LauraG2990 qui me demande: comptes-tu allaiter? Et ça c'est une question qui est revenue beaucoup. Oui, je compte allaiter. Pourquoi? Je sais pas, je me dis que c'est naturel, si on a du lait c'est pas forcément pour rien, que depuis des milliers d'années les mères ont eu du lait pour allaiter leurs enfants. Après je vois qu'il y a aussi de plus en plus d'enfants intolérants avec tous les laits qu'on leur donne, les laits artificiels etc. Donc je me dis que je pense que si j'arrive à allaiter, si je peux l'allaiter quelques mois, ce sera que bénéfique pour elle. Donc voilà, j'aimerais allaiter. Après si j'arrive pas, si j'ai pas de lait, si ça me fait trop mal, si c'est trop dur tout ça, je sais pas, on verra bien, mais c'est vrai qu'à la base je pars dans l'idée que j'aimerais bien allaiter. Question de la Blue Anne qui me dit: en un mot, comment décrirais-tu ta grossesse en trois mots si tu n'arrives pas en un seul? Qu'est-ce que je dirais pour décrire ma grossesse? Alors, je dirais en deux mots, je dirais parfaite surprise. Parfaite parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu des symptômes, hein, je vais pas faire la meuf qui a eu la grossesse de rêve et tout, mais quand je vois beaucoup d'autres personnes dans mon entourage, mes amis, mes proches, Instagram etc, je vois que c'est quand même pas facile pour tout le monde, donc moi ça a été très cool, donc parfaite dans ce sens là et surprise parce que elle était surprise, et du coup voilà, ça fait une parfaite surprise. Alors Clem me demande: qu'est-ce qui t'a le plus manqué durant ta grossesse, sport, aliments en particulier, certaines habitudes de ta vie etc.
Alors, ce qui m'a le plus manqué, bon, le sport, j'ai pu continuer un moment quand même, donc ça va. Ce qui m'a le plus manqué, c'est le carpaccio de bœuf. Ensuite, question de Axel Boji, je sais pas, qui me dit: est-ce que tu as changé ton alimentation du fait de ta grossesse et as-tu suivi des cours de préparation à l'accouchement? Oui, j'ai suivi des cours de préparation à l'accouchement. J'en ai fait 6 en tout et franchement, pour celles qui se posent la question si elles vont le faire, pas le faire ou quoi, moi je vous conseille de les faire parce que c'est vrai que moi-même au début je m'étais dit bon, je vais pas les faire et tout, ça doit pas servir à grand chose et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. D'autant plus que la sage-femme avec qui j'ai fait ces cours, je l'aime beaucoup en fait. Dès que je l'ai vue la première fois que j'ai su que j'étais enceinte, mon gynécologue est un petit peu froid, assez dur et tout. Et quand j'ai rencontré cette sage-femme qui est très gentille, qui te met très à l'aise, t'as un petit peu l'impression que c'est comme une maman ou une mamie, tu vois. Enfin, je l'aime énormément. Et du coup, j'ai adoré les cours avec elle en fait. Et elle va répondre vraiment à toutes tes questions. Elle est hyper bienveillante. Enfin, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre ses cours. On apprend quand même plein de choses. On apprend des choses sur l'allaitement, sur le bébé en soi, les soins du bébé, le retour à la maison, le séjour à la maternité, tout ça. Et aussi l'accouchement. Donc franchement, si moi personnellement, je vous conseillerais de les faire si vous avez l'occasion. Parce que j'ai trouvé ça vraiment très cool et très intéressant. Et du coup, côté alimentation, est-ce que tu as changé du fait de ta grossesse? J'ai dû bannir tout ce qui est viande crue, poisson cru, bien laver les légumes, les fruits, tout ça. Ne pas manger aussi de lait cru, tout ça, parce qu'il y a la toxoplasmose et il y a un autre truc aussi. J'ai plus le nom, enfin il y a plusieurs autres trucs, mais voilà, il faut éviter certains aliments. Mais sinon, j'ai pas changé grand chose, j'ai continué de manger plus ou moins équilibré, j'ai eu plus ou moins des envies au début de grossesse, j'avais très envie de pommes de terre sous toutes ses formes. Après, j'avais énormément envie de concombre, tomate, feta. Après, j'avais envie de salade, enfin franchement, ça m'a pas changé grand chose, j'ai continué à manger plutôt équilibré. J'ai eu un passage il y a une semaine ou deux, là, pendant plusieurs semaines où j'avais vraiment pas faim. J'avais pas faim et tout ce que je mangeais c'était en très petite quantité parce que j'avais vraiment plus de place, elle était vraiment très haute au niveau de mon estomac et j'avais l'impression que j'allais vomir si je mangeais plus de 3 cuillères, donc c'était compliqué. Mais sinon non, j'ai pas changé grand chose, j'ai suivi. Je me suis peut-être plus fait plaisir, j'ai peut-être plus mangé de glace, de chocolat, tout ça qu'en temps normal parce que j'avais pas envie de me priver du tout. Non pas qu'en temps normal je me prive, mais c'est vrai qu'en temps normal je fais plus attention, je fais mon sport, tout ça, puis j'ai moins d'envie comme ça de chocolat, tout ça. Là quand j'avais des envies de chocolat, des envies de glace ou quoi, j'en mangeais tout simplement. Je me suis pas trop privée, mais tout en faisant quand même attention parce que le but pour moi c'était pas de prendre 20 kilos pendant une grossesse, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, j'ai pris vraiment le poids nécessaire pour mon bébé tout en me faisant plaisir et en essayant de manger des choses saines aussi, parce que je pense que s'il y a bien un moment dans notre vie où on doit manger équilibré, c'est quand on est enceinte, pour donner les meilleurs nutriments possibles à son enfant et éviter voilà, les Nutella et compagnie. Enfin bien sûr j'en ai mangé aussi, hein, je jette la pierre à personne, mais c'est vrai que si on peut éviter les produits, les trucs industriels, les produits pleins de graisses saturées, de conservateurs et compagnie quand on attend un bébé, c'est mieux pour l'enfant je pense, donc voilà. Ensuite une question d'Aurélie qu'on m'a posée aussi plusieurs fois, elle me demande combien j'ai pris de poids. Donc là je suis à 35 semaines d'aménorrhée et j'ai pris 6 kilos aux dernières nouvelles. J'ai pas de balance chez moi, donc en fait je me pèse que une fois par mois quand je vais chez le gynéco. Bon, pour l'instant ça va, à savoir que souvent les dernières semaines c'est là où on prend le plus. Bizarrement j'ai toujours cru suite à mes problèmes de boulimie, mes troubles du comportement alimentaire que j'ai pu avoir plus jeune, que le jour où je serais enceinte ce serait un chamboulement complet dans ma vie, que ce serait sûrement un carnage, que j'aurais du mal à gérer tout ça et tout. Et au final j'ai vécu ça mais tellement légèrement, j'ai tellement pris ça tranquille, sans mettre de pression ni quoi que ce soit, sans objectif de poids, sans me peser toutes les 5 minutes, sans faire attention à ce que je mange, machin, en faisant vraiment plaisir, que au final quand je enfin c'est la surprise à chaque fois que je me pèse et je suis étonnée de prendre que ça parce que je mange normalement, je craque aussi, je me fais plaisir, enfin je me prive pas du tout, donc voilà, pour l'instant c'est nickel, je suis contente. Si je dois prendre 2, 3, 4 kilos en plus, je les prendrai, ça me dérange pas plus que ça. Ensuite j'ai une question de Laura Guémadi qui me dit: ma question serait, te sens-tu prête à être maman? Te poses-tu plein de questions sur la vie du quotidien avec bébé?
Oui, je me sens prête à être maman. J'ai plein de frères et sœurs en fait, donc j'ai deux petits frères et deux petites sœurs qui sont quand même beaucoup plus jeunes que moi, sachant que la plus grande, on a quand même 8 ans de différence, et le plus petit, on a 14 ans d'écart, donc j'ai un peu l'impression d'avoir déjà fait une mini-maman, surtout avec le petit dernier, avec Elliot, quand il est né, j'avais 14 ans, donc je me suis énormément occupée de lui, que ce soit la journée, le promener, l'emmener en balade, le changer, lui donner à manger. Je me suis vraiment énormément occupée de lui, les autres aussi, je m'en suis beaucoup occupée. Enfin, j'ai bien aimé ce rôle de grande sœur, de changer les couches, de voir grandir mes petits frères et mes petites sœurs, et du coup, je pense que ça aide un petit peu dans le sens où je me pose pas trop de questions, parce que je l'ai vécu quand même 4 fois, j'ai 4 frères et sœurs, donc du coup je me pose pas trop de questions parce que je me dis que je sais plus ou moins comment ça va se passer. Donc après bien sûr qu'il y aura des surprises, ce sera quand même pas la même chose parce que là ce sera moi qui devrais m'occuper de tout ce que faisaient mes parents. J'ai un peu l'impression de savoir déjà d'être déjà quoi faire quoi, donc du coup c'est vrai que c'est aussi pour ça que ça me stresse pas trop et que je suis pas trop angoissée parce que j'ai beaucoup appris en fait avec tous mes petits frères et sœurs. Ensuite, j'ai une question de Bibinet qui me dit « Est-ce que vous avez peur ou appréhendez le changement dans vos vies que va occasionner bébé ?» Bah du coup, comme je vous le dis, pour avoir plein de frères et sœurs et tout, j'ai pas trop peur, j'appréhende pas trop la vie avec un enfant. Je pense qu'il y a moyen, enfin évidemment un enfant ça change une vie, ça va faire un chamboulement et tout, forcément nos vies ne sont pas forcément comme avant. Mais après moi je reste persuadée quand même qu'on peut... incorporer son enfant à sa vie en fait. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'après sa vie doit tourner uniquement autour de son enfant. Je pense que c'est on a sa vie et on doit intégrer son enfant dans sa vie déjà. Bien sûr qu'il y aura des concessions à faire, il y aura quand même des changements, etc. Mais je pense que ouais, il faut quand même pas complètement changer toute sa vie, changer toutes ses habitudes, changer tout son quotidien parce qu'on a un enfant. Je pense qu'un bébé ça a une très grande capacité d'adaptation et que si on s'y prend bien, après évidemment je sais qu'il y a quand même des bébés qui sont plus difficiles que d'autres, etc. C'est pas forcément toujours évident et qu'on fait pas forcément toujours ce qu'on veut au final. Mais je pense qu'à la base, si on part serein et en se disant que notre enfant, on va intégrer notre enfant à notre vie et pas chambouler toute notre vie pour notre enfant, on a plus de chances déjà de pas avoir un gros changement dans sa vie et de réussir à garder sa vie telle qu'elle est entre guillemets avec son bébé qui s'incorpore dans sa vie quoi. Je sais pas si c'est très clair, je pense qu'il y a beaucoup d'avis divergents sur le sujet, je pense que beaucoup vont se dire ouais bah c'est plus facile à dire qu'à faire et tout, j'imagine bien, je verrai moi-même aussi comment, entre ce que je dis et ce que je ferai, il y aura peut-être un monde, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que je pars dans cette optique là et je me dis qu'on peut très bien faire rentrer son enfant dans sa vie et pas faire tourner sa vie autour de son enfant. Je sais pas si c'est très clair. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà répondu à beaucoup de questions, j'ai beaucoup parlé, je pense que la vidéo va durer 10 plombes. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère aussi que vous avez bien aimé l'environnement où j'ai filmé aujourd'hui. J'ai tourné ma caméra au lieu de filmer face à ma coiffeuse, j'ai filmé face aux petites affaires du bébé. Je vous ferai un petit room tour dans les prochaines semaines. J'ai encore quelques petites choses à modifier, à changer et à acheter, mais... Voilà, je vous ferai ça parce que je trouve ça sympa de partager des idées déco avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!